exécutif de la Confédération africaine de football, a pris la décision lors d'une réunion à Accra pour changer de pays. Et après un appel à candidature qu'on avait ouvert, deux pays sont retenus, le Maroc et la Guinée équatoriale. Mais évidemment, pour la qualité du dossier et ce que nos techniciens ont pu retenir lors des visites d'inspection, à Lagos, le comité d'urgence a pris la décision à l'unanimité de confier au Maroc cette organisation du championnat d'Afrique des Nations Total 2018. Au nom de la Confédération africaine de football et de moi-même personnellement, je tiens à remercier sincèrement Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, d'avoir facilité en si peu de temps la mise en place de cette organisation. Tous les stades sont prêts sur le côté, bien évidemment, que ce soit au niveau de la pelouse, des gradins, de l'éclairage. Nous, au niveau logistique, tout est prêt également. Rien à signaler à ce niveau-là en particulier. Beaucoup de travaux ont été engagés, essentiellement sur le stade de Tanger et également le stade de Casablanca, et plus sur le stade de Casablanca, où il y a eu énormément de travaux, parce que le stade est toujours en travaux par rapport à sa réfection, par rapport à sa mise à niveau. Et donc, on a profité pour effectivement cette édition pour mettre à niveau par rapport à un certain nombre de points liés au vestiaire, de points liés à un certain nombre d'éléments qui sont plutôt techniques. On s'est rendu compte au bout d'un moment que tous les joueurs qu'on voyait à la CAN tous les deux ans, finalement, évoluaient en Europe majoritairement. Donc, l'idée qui est d'animer, de faire vivre le foot africain en Afrique avec des équipes nationales uniquement composées de joueurs locaux est pour moi une bonne idée. Sur les CAN, souvent c'est le point noir, hein, l'état des pelouses, on en parle régulièrement tous les deux ans. Et là, ici à Casa, en tout cas, les conditions ont l'air d'être réunies pour que ça joue bien au foot. On espère que ça va bien se passer parce qu'ici quand même, pour ce qui est de l'accueil, on est bien accueillis. Voilà, on se sent ce soir, il n'y a pas de problème, on est content de l'accueil. Voilà, pour le moment, ça se passe très très bien.